Jim, qu'est-ce que tu fais? Hey, mon pote, tu te sens bien? J'ai besoin de ce costume. Pete. Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière? Je me souviens juste que j'étais crevé. Pete. Tu n'es pas toi-même. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Ouais, il est plutôt cool, hein. Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur. Hé hey, arrête. Je me mets en quatre pour essayer de te sauver. Tu pourrais me remercier. Je t'ai dit d'arrêter. J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça? Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. T'as raison. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. Comment ça s'est passé avec Harry? Ben... Vous en faites pas. Harry va se remettre. Merci. Merci d'être là pour lui. Je vous ai vu grandir ensemble. Tu es comme un fils pour moi. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Merci, Monsieur Osborne. Il faut que j'y aille. Va-t'en, je t'ai dit! Il y a du boulot. Et comme d'habitude, je peux compter que sur moi-même. Peter, où est Miles? Il n'est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Allô? Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne ne peut se débrouiller tout seul? Je dois toujours tout faire. Mais tu m'appelleras si tu le vois? C'est gentil de toi. Miles?
Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverai! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Comment j'ai atterri là ? Sécurité rigole pas ici. Ça a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Et deux. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Voilà. Ça me fait un petit passage. Oh ouais. Assommé. Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Les plus petits sont plus rapides. Ok. Du matériel d'Oscorp. À quoi ça vous sert ? Là-dedans. Qui ? J'ai besoin de toi, mon vieux. C'est quoi ce truc ? Du poison ! Je dois dégager de là ! Ces générateurs doivent alimenter les ventilos ! C'est mieux, mais pas suffisant.
faut que j'active les autres. Et voilà. Un de plus. Cette porte, je crois bien que c'est la seule issue. Vous savez où se trouve la sortie? Pourquoi? Tu pourras jamais partir d'ici. C'est ce que je commence à penser. Ça sert à quoi tous ces pièges? À t'évaluer, petite araignée. On dirait que votre boss a mis le paquet sur ce coup-là, pas vrai? Comme à chaque fois. Maintenant, montre-nous ce que tu es capable. Faut pas qu'il me touche! Wow, t'es rapide! Faut que je garde mes distances! Je les ai tous eus. Il doit bien y avoir une sortie. J'ai l'impression qu'ils m'attendaient tous. Cet endroit est gigantesque. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment? Et s'ils m'avaient retiré mon masque? Et si... Gormky, est-ce que tu me reçois? S'il te plaît. Et si... Ils s'en étaient pris à lui? Et s'ils avaient eu ma main? Kraven réclame plus de drones rapaces à l'étage. Mais il doit bien s'amuser. Ah, encore des chasseurs. Kraven a l'air de penser que c'est la proie ultime. Je me demande si c'est vrai. Il y a de l'électricité dans l'air. Ouais. Ah. Tu appartiens à Kraven. Jamais tu ne pourras t'échapper. Je pourrais défoncer la porte. Ça ferait du bruit.
Il y a peut-être un autre moyen. Est-ce qu'ils l'ont eu ? Un enregistreur ? Toutes les nuits, je rêve de mon dernier moment. Mon corps reposant sous le ciel de mes ancêtres, dans un champ fertilisé par leur débâcle. Tandis que les flammes consument ma dépouille, leurs larmes tombent des étoiles. Car j'ai réussi où ils ont échoué. Il n'y a qu'un égal qui pourrait goûter mon dernier souffle et me renvoyer enfin dans les profondeurs paisibles de l'enfer. Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené ici. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. La lumière naturelle n'a jamais été aussi belle. Ok. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous. À mort. Ou mourrez ici ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive ? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix.
Léa sait de perdre mon temps à combattre des minards. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que t'aies envie de me tuer, mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Je sais ce que j'ai fait. Vous imaginez même pas. Mais ne sous-estime jamais ton adversaire. Kraven vous a pris au piège. Vous êtes là de votre plein gré. Épargne-moi ta condescendance. Vous êtes dans la même arène. Tu peux pas me vaincre! Spider-Man ne tue pas! Attends un peu de me connaître. Il est rapide! Il faut que je trouve une ouverture! Le pouvoir de lui! Il bloque le mien! Plus d'énergie négative. Je retrouve mes pouvoirs. Voilà. À présent, montre-moi. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait? Quoi que j'ai pu faire dans ta vie, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Va-t'en! Bien joué! Oui! Enfin! Acrobatie de Snow! Bouge! Ne laisse pas ta proie s'approcher, arrêtez! Allez, juste une petite ouverture. Va-t'en!
ta rage. Ce sera la dernière fois que vous ferez du mal à quelqu'un. Quelle platitude! Derrière l'autre araignée, il y a un homme, au moins. Ça suffit! Vous savez rien de moi! Ma bioélectricité bleue va peut-être me servir. Je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la... Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur. Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon terrifié d'être seul. Vous gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Vous... pouvez pas... me faire de mal! Tout le monde a un point d'opportunité. Même Spider-Man. Il suffit tout simplement de le trouver. Et sache que j'ai tout le temps nécessaire pour creuser en toi. Laissez ma tête tranquille! Laissez ta tête. Mais il y a tellement de choses à voir là-dedans. Tellement de douleurs. Tellement de doutes. Non, je vous écoute pas! Tu es fort. Qui penses-tu être aussi fort que tu le prétends? Arrêtez, Ellie! Il est où? Miles. Hit? T'es à la ramasse. Je veux dire, j'ai essayé. J'ai essayé de t'apprendre. De faire de toi un héros. Je savais très bien que tu serais les dernières secondes, mais... Tu sais rien faire à part décevoir les gens. Les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Pour toi, tu leur fais du mal. Non, c'est pas vrai. Hé, je suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi qui fais le plus. C'est ton père? Non! Alors, tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment? Miles. Ramenez-vous, Lee! Creusons encore. Lee, venez vous battre! Une bonne fois pour toutes, venez vous battre! T'es taré ou quoi, Miles? Je ne suis pas naïf, Lee! Ouais, bah moi non plus. Je suis toujours là pour toi. Je me coupe en quatre pour toi. J'écoute toujours pas! Ouais, ça m'étonne pas que tu dis ça. Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein? Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. Tu mets Ellie en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais. Des accessoires. C'est tout ce qu'on est. Mais on terminera comme Finn. Kanki. Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais... En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non! Surtout après la mort de ton... La ferme! Ça prendra fin dès que tu le souviendras, Miles. Tu finiras par me laisser entrer. Mais en attendant, débats-toi. Micro.
voiture. Non! Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon? Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seule. Je cours encore plus de danger. Non. Je vais te protéger. Compte sur moi. J'ai déjà entendu ça. Je te promets. Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman! Ton père m'a dit, le matin même, que tout ce qu'il faisait... Non! Non, non, non! Miles, je t'en prie. Je t'aime. Ça suffit, Lee. Miles. J'ai dit ça suffit! Tu as raison. C'est plus que suffisant. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Ça va, fiston. Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé depuis mon départ. Tu es devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man peut pas protéger tout le monde, alors qui le pourra? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends, je garde un œil sur toi. C'est vrai? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Non, tu ne penses pas! Je le pense. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non! Vous diriez jamais ça! Aucun coup! Je suis pas... Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non. Abandonne. Non, jamais. Abandonne. 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 Non. Terminé, Lee. J'ai plus envie de jouer à vos dieux. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville. Quoi? Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ces gens. Jefferson Davis était un héros qui protégeait la ville de gens comme vous. Miles. Non. Je t'ai assez écouté. La disparition de mon père. C'était pas ça le problème. C'était moi la responsable. Mais c'est terminé. C'est pas s'échapper! Négative aurait été aperçu à proximité du Fist à Chinatown.
Et aucun signe de Miles. Je crois que... Miles va bien. On est en train de le chercher. Trouvez Lee. Miles doit être là-bas aussi. Forcément. Je vais aller voir. S'il touchait ne serait-ce qu'un cheveu de Miles. Allô? C'est le docteur Connors. Désolé, j'ai demandé votre numéro à Harry. Je vous l'ai. S'il vous plaît, revenez au labo. On doit vous retirer le symbiote. Il a déjà une forte emprise sur votre esprit, et ça ne peut qu'empirer. Je suis occupé! Personne ne m'écoute!